Alors bonjour, un match amical contre un opposant que j'ai déjà joué plusieurs fois. Je crois que j'ai perdu contre lui à chaque fois. Moi je l'ai déjà joué mais avec un autre pseudo. Avec mon pseudo impérialiste. Bon alors Cambridge 5, Fidèle, Defector qui sera my line, Nuclear Test Ban, Coréane, Suez, Dicol et Warsaw. Qu'est-ce que ça dit comme main? Une main très rouge. Suez, je vais la garder. Dicol, je vais jouer de Suez à la toute fin, à voir. Du coup, c'est un peu chiant pour la France. Ouais, j'ai qu'une carte à 3. Ouais, c'est un peu pas de couilles. Ouais, pas une main très maniable, une main beaucoup trop rouge en fait. Ça et ça, c'est à peu près jouable. Coréane et Cambridge. Warsaw, oui, c'est jouable. Ok, au moins, j'ai évité le pire. NATO, ok. Et monsieur a un 6. Et je peux pas jouer Suez, c'est ça qui est. Quoique, si, je peux le jouer, mais. Si je le joue, problème. Ouais, on va faire ça. Est-ce qu'on va faire ça ou pas? C'est-à-dire qu'à la fin, je garde ça et ça, et je garderai des cols. Ouais, allez, on va tenter ça. Je vais Cambridge rapidement, Coréen noir aussi. Bon, il commence fort avec une Red Scare et un NATO gratuit. C'est un joueur contre qui j'ai jamais eu trop de chance aussi, si je me souviens bien. Mais bon, c'est un match amical. Mieux vaut, si c'est plus compliqué, mieux vaut que ce soit là que dans un match officiel. Surtout que je suis dans une belle série dans les officiels là. Ah, putain, génial. Génial, le Vietnam Revolt. On va tenter. Cambridge 5, UN. Putain, il a vraiment une bonne main. NORAD. Ouf, yes. Donc 4, 2 et à la fin ça sera entre Décolle et Warsaw. Olympic Games. Oh, putain, il a tellement des gros résultats. C'est plus qu'un peu la Décolle là, non? Ah oui, d'accord. Un, deux, trois, et le dernier, où est-ce que je le mets? Ça sent un peu la décolle, et malgré tout, je peux difficilement. Mais ça pue la décolle, non, ça pue pas la décolle, il a pas d'école. Je suis un peu bête, moi. Il a pas d'école, c'est moi qui l'ai. Dopaki. Noir.
l'air plane avec quoi? Vas-y. Rien du tout. Bon, voilà, un premier tour qui est pas incroyable, mais étant donné la main plutôt forte qu'il a eu, c'est pas non plus si mauvais que ça, parce qu'il a vraiment une grosse main. Avec deux cartes à 4, avec Vietnam. Ouais. Il n'avait pas d'événement chiant en fait. Le seul truc qui aurait été chiant pour lui, c'est que je joue marchand en endline. Ça n'a pas été le cas. Intéressant. Ouais. Sinon ça je pouvais pas l'assurer, mais malgré tout. 3, 4, 5, 6, 7. Au moins, je me garantis une certaine souplesse. Bon, elle est pas ouf cette main. Seiya capture, ouais, de nouveau une main faible. Une dépendante raise. Enfin, relativement faible. East Open and Rest. Comic-Con. Ok. Donc, monsieur à la vie. Dommage. Dépendant 13. Spécial. Socialiste. Ouais. Je m'en doutais à peine. Seiya. Vas-y, sans blague. Il avait une moins bonne main. Ah, il avait trois scoring, ouais. Mais bon, il s'en est bien tiré. En sacrifiant le coup d'état, c'est le seul truc. Ah putain, il l'avait, bordel. Ouais, bah pas une si mauvaise main que ça finalement, avec la Destal. Ouais, il a plutôt. Bon, ça dit, ça aurait pu être pire.
Pas ouf. Donc, GUS Japan. Marshall a été joué. Qu'est-ce qu'il a? Il a Blockade. Nasser, Comecon a été joué. Romanian, hélas, c'est moi. Il a Truman. Duck and Cover. Ah, fait chier, il va faire Duck and Cover. Il a Formosan. Ça peut être intéressant. J'ai Containment et Romanian Abdication. Donc, si je joue Containment. 1, 2, 3, 4, mais en même temps j'ai pas beaucoup de trade lines intéressantes à jouer. Donc on va faire ça. Spécial, très bien. Putain, il a de la chance. De nouveau, je pense que c'est le genre de partie que je vais perdre. Asia, Cambridge 5. Mécon, ok. Garder Formosan de toute façon, donc il n'y a pas grand chose hélas que je puisse faire pour enfin, il a pris quand même des gros. Il a pris quelques risques, hein, je trouve, mais bon, il prend. À partir du moment où t'as 6 sur les dés, c'est dur de lutter contre ça. Bon, Blockade, il va pas le jouer. Il reste Nasser, Blockade, Duck, Formosan et une autre carte que j'ignore. Duck dans l'espace, ok. Putain, c'est un Big Spencer, hein? Il est juste pété de thunes. Ouais, quand c'est opposant, c'est compliqué. Compliqué parce qu'il a des bons résultats, il joue pas mal, hein, et puis il a des bons résultats de G.
Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Indonésie, Malaisie peut-être. Malaisie pas ouf, mais Indonésie au moins. Indonésie, Guatemala, Équateur, Cameroun. Bof. Ça va beaucoup dépendre de qui a les grosses cartes en midoir surtout. Il a bloqué Nasser et Formosan. Formosan, il aurait joué trop tard, ça aurait été impossible de l'avoir. Ce serait lui, je le jouerais. Bloqué, ouais, forcément. Oui, c'est vrai que c'est 3. Sinon, décolle dans l'espace. Pas sûr que ce soit très intéressant. Mais ça peut me permettre d'avoir une grosse carte à 4 pour plus tard. Formosan, ouais, je m'y attendais. Garde Nasser. Il n'y a pas vraiment de gros moves que je puisse faire, donc je pense autant faire ça. Ouf, c'est une sale main. À l'ensemble. Heureusement, j'ai Grenzel. Aliende, c'est un peu chiant. Missile Envy. Middle East. Central, ouais. Cuban. Indopaki. Un peu tendu, Indopaki. Et Socialiste, ouais, c'est pas une super main de nouveau. Enfin, il y a Green Cells, mais ça va vraiment dépendre de ce que je pioche. De scoring. Et ouais, heureusement que j'ai gardé la carte à 4. Hein. Est-ce que Duck est dans la discard? Oui. Donc je peux jouer Duck. Je peux jouer Missile Envy a priori. Et je peux tenter l'Angola. Ou le Zaïre. Faut voir. Peut-être le Zaïre en fait. Mais bon, Middle East à 5, Central ça fera un peu dur de le scorer, ça va vraiment dépendre de ce que j'arrive à faire, quoi. Ou ce que j'arrive à faire d'alignement peut-être. C'est quand même pas une partie où Argentine sinon, Argentine ça peut être bien aussi, c'est quand même pas une partie qui... Ouais, je pense Argentine, c'est pas une partie qui s'annonce très bien, la chance est plus de son côté. Il a même pas besoin de jouer à China Card, ce qui en dit un peu long. Même si j'ai grain, j'ai aucun des big three. Ouais, Runta, bordel. Ça commence à faire un peu beaucoup. Frustrant ça. Hein.
Missile en vie. Génial. Putain, voilà quoi, lui, à chaque fois, il a de la chance, moi, j'ai pas du tout de chance. Ouais, putain. Ouais, bon bah allez, hein, je pense qu'on va arrêter là, peut-être. Alors, bon, c'est plus que 4 au moins. Comment est-ce que je peux faire du coup? J'ai 1, 2, 3, 4 scoring à jouer. Et j'ai une carte en moins. Alors, pour moi, il y a ça. Un, deux. Qu'est-ce qu'il reste comme scoring? L'Asie, l'Amérique du Sud. Un, deux. Ok, middle-list, hop là. Jean-Paul 2. On est d'accord, blockade, il est dans la discard. Hein. Ouais, il est dans la discard. Ask note, mais c'est pas très intéressant pour Ask note. Ouais, pas une super main, parce que je commence vraiment à m'inquiéter.
Ah putain, ah, ok. Les Wilburyu. Donc NORAD, Alliance, Arm Race, ouais. Il peut gagner ce tour-ci et je peux strictement rien faire. Il a un avantage à faire ça. Ça existe très bien. Du coup, ça rend clairement moins intéressant ce que je voulais faire. Ça ferait qu'elle reste. Nucléaire sable. Une souris. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Usuri et Asknot que je vais garder. Donc Asknot, on est d'accord, je dois le garder. Ah, mais si je garde Asknot, ça veut dire que je vais devoir 3, 4, 5, 4, 5, 6. Ouais, non, je vais même pas pouvoir le garder parce que sinon je dois lui donner Aliendé. J'ai vraiment pas envie de lui donner Aliendé. Donc, pas de couille. L'Afrique n'est pas encore sortie. Les deux scoring qui restent sont très à mon désavantage, donc la question c'est est-ce que je joue Asknot ou pas? Oh yes! Ne l'aie pas, s'il te plaît, ne l'aie pas. Naito, putain! Tu as des grosses cartes. Alors, choix, c'est ça? Si on saura encore que je survive. Panama.
Super. Ça peut se réparer. Par contre, j'ai ni IBM ni brochoir, donc ça pue un peu quand même, hein. Harman. Pète. Ah oh, putain. Génial. Au moins. Ça date. One small step. Flora Power et Brejnev. Alors, IBM. IBM, fantastique. Les brochoirs maintenant. J'ai quand même pris la vie. Ouais, ça va quand même être chaud, putain, je le savais. Ok, bon maintenant il va falloir scorer l'Amérique du Sud, Sadat et Brejnev en protégeant le Pakistan, UN, et ouais, ok. On va finir par Sadat. Ah merde, il faut que je fasse un coup. Sinon, l'IND. Quagmire. Ok. Ah, moi aussi, super. Je n'arrive pas à l'égaliser. Par contre, si je fais ça, il n'y a aucun moyen. Pour tenter. Ah putain, c'est IA en rigoureux, c'est chaud quand même. C'est-à-dire qu'il a de nouveaux Red Scare, c'est ça? Il reste des cartes ou pas? Ah putain, ouais, c'est un Henri Draw, c'est vraiment chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Panama, ouais, bon, vas-y, j'arrête de compter les cartes, j'en pole 2. Il a des meilleures cartes que moi de toute façon.
Redsker, fantastique. Comme si ça suffisait pas ce que j'avais eu jusqu'à maintenant. Alors, l'Europe, De Gaulle. Donc, qu'est-ce qu'il a quand même? Europe, U2. Donc, il a U2, Latin American Death Squad, How Island, Defectors, Cultural, De Gaulle, OAS et Europe. Donc, moi j'ai l'Afrique. Amrise, ça a été joué. Summit, ça a été joué. Gunman, ça a été joué, faut croire. OPEC, ça a été joué. Vietnam, bien sûr que ça a été joué. CIA, je viens de le jouer. J'ai Colonial, j'ai Bertrap. Faber Prime, ça a été joué. Jean-Paul II. Jean-Paul II, ça a été joué. Camp David, ça a été joué. Shuttle, c'est moi qui l'ai. East Open and Rest, c'est moi qui l'ai. Kitchen, c'est moi qui l'ai. Independent Trade, ça a été joué. Bon, Riyad la discard et il a l'Europe et OAS. Ce qui veut dire que s'il arrive à la fin. Putain! Pas de putain de chance. Ah non, c'est moi qui ai Jean-Paul II. Ça vaut le coup de le louer, Jean-Paul II. Peut-être. Ok. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, Jean-Paul II sera clairement un événement. Mertrap, ça sera un événement vers la fin aussi. Kitchen, ça sera pour faire un coup d'État en Haïti. Ouais, bien sûr. Défecteur dans l'espace, très bien. J'aurais peut-être dû le garder pour le prochain tour.
Ok. Ah, intéressant. Oh, putain, Lone Gunman, sérieusement. Bon, alors j'ai la Sknot. Donc ça va servir, je pense. Ça quand même commence par un Bertrap. Hein. Donc, Asknot pour beaucoup de cartes. Ah, des cols, mais. Toujours des bonnes mains. Pour une fois, elle loupe un putain de jet. Ah putain, il avait une grosse main encore. Tchernobyl, ok. Il est temps de faire mon coup d'état. Ah mais je sais pas faire des coups d'état. Hein. Ça va pas s'améliorer. 1, 2, 3, 4. Ok, ça c'est pour le prochain tour. Est-ce qu'il a Lone Gunman, c'est la question. Je pense pas qu'il l'a Duck and Cover, je veux dire s'il l'avait, il l'aurait déjà joué. Nasser. Olympique et nucléaire, je suis pas sûr de vouloir les voir. Allez, on va laisser ça au cas où. Ouh. Je vais
continue d'avoir des coups de merde. Donc il faudrait que je prenne l'Angola, le Botswana, et que je commence à aller à Cuba, et enfin Yuren Samantha. On va pas refaire un coup. Et donc on se prend l'Angola, le Botswana. Je suis pas fan d'aller à Cuba en fait, mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Ouais, est-ce que j'ai vraiment le choix comme je disais? Ouf, bah ouais, j'ai vraiment le choix. 1, 2... Alors, Grencell, fantastique. J'ai à la fois Grencell et Tyrdon. J'ai enfin des bonnes mains. Afrique, de l'Afrique, non. Central, non. Europe, non. Donc c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Mais si on va jusqu'au final scoring, honnêtement, 6, 4. Ah putain. Il va m'enlever Tyrdon, non, US Japan. La Libye, sinon. La Libye, ça peut être intéressant à prendre. Il a OAS lui? Non, il l'a pas. Il l'a joué OAS. Il l'a joué avec UN. Bon, de toute façon, là, je compte plus les cartes. Ah, il rend Irakoir, c'est relou. Ça va me faire perdre 2 points. Putain, mais waouh! C'est quoi ces jets de merde? Il va être à 6, hein? Bon, remarque, je vais spacer du coup. Iran-Irak, ouais, voilà, c'est ça que je vais spacer Iran-Irak. Iran-Irak et peut-être une autre. Ché, fantastique.
Je vais garder la China Card. Donc, je vais avoir Space Marine. Irak. Ah oh yes. C'est pas de couilles pour lui ça. Un, deux. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Est-ce que final scoring, ça pourrait être moi, hein? Selon ce qui va se jouer à la fin. Putain, il le joue pour l'influence. Ah, j'aurais pas cru. J'aurais vraiment pas cru là. Bon alors, l'Europe ça semble mort. Il reste quoi? Il reste le Middle East, l'Asie et l'Amérique centre et l'Amérique du Sud. Runta, yes, Runta, 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 Runta. Ortega, par contre, c'est relou. Ortega et Libération, mais il peut pas. Oh putain, elle est chiante cette main. Par contre, Asia, c'est très bien. Runta et Asia, c'est pas mal. Et Nuclear Subs, ouais. Je peux peut-être faire quelque chose avec cette main. C'est chaud, mais je peux peut-être faire quelque chose. Ouais, elle est quand même faible, hein. Donc on garderait Libération et Ortega par exemple. Et on jouerait tout le reste. Ah putain, il va casser la Thaïlande, c'est ça. Mais après j'ai pas utilisé la Chine pour l'instant. Donc on va faire Ortega. Si je reste qu'un tour, c'est peut-être jouable. Sinon c'est tendu. Mouchoir, génial sur le Brésil.
Bon, l'Amérique du Sud, je crains qu'elle soit perdue. Donc l'Asie, l'Amérique du Sud. Asia, South America. J'aurais peut-être dû faire sa date. Ouais, j'aurais dû faire sa date. Ça n'empêche que ça semble atteignable. L'Amérique du Sud et la China Card. Ok, ça me va. Bon, il y a plusieurs solutions. L'une des seules solutions, ça me donnait 4. Ça va me donner 2 si je fais ça. Ça suffit, hein, 4. Sinon, ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Bon, ben voilà. Comme quoi, ça s'est retourné, mais parce qu'il a eu des sales jets également, il a quand même beaucoup de grosses mains. Mais en late war, j'ai aussi ce qu'il fallait. Bon, ben voilà, merci d'avoir suivi ça, et à la prochaine, on se rapproche peu à peu des 1800, 1800 plus, dans lesquels j'étais souvent avant, donc tant mieux.